tuer. Quoi? Je suis sérieuse, arrête, merde. D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit. Non. On peut en parler. Il est tard, Owen. Ouais. Ok. Non! Non! Arrête, c'est trop! Oh putain, t'as raison! Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen! Je t'ai toujours aimé! Non! Owen! Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyée. Et tu es venue me sauver? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyée. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Il faut qu'on y retourne. T'inquiète, viens juste voir ça. Owen. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On va virer des lucioles paumées quand nulle part où aller. Peut-être. Je préfère pas le savoir. Viens juste jeter un coup d'œil. Inspire à fond. Complètement dingue. Bien que c'est une sorte de zoo pour poissons. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps, avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non, non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Donne-moi un coup de main. Ok. C'est bon, coup de main. Vas-y.
quoi, cet endroit ? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq ? Quoi ? Je fais le loup. C'est mon Great Wolf. T'es trompé. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle ? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les Wolves. Ouais, ou des Scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons. Tu crois qu'il y a autre chose ? Bien sûr. On y va. Essayez par là. Aide-moi à monter. Ouais. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze. J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Bon, on jette un coup d'œil rapide et après. On rentre direct. Oh, la vache. Waouh. On voit pas ça tous les jours. Imagine cet endroit rempli de monde, avec des enfants qui couraient partout. C'est un autre monde. Cet endroit sera mon royaume. C'est chez moi. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça ? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Tu crois que c'est les gens du bateau ? J'imagine que c'est eux, ouais.
absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir, eux aussi. Je trouve pas que ça valait le coup. On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. T'adore cet endroit. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à un... Owen, t'avais raison. Merci de m'avoir traîné dans cet endroit magnifique. Je vais y réfléchir. Ça me va. Bon sang. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Ses enfants sont allés rejoindre Neskar. Bordel. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème ? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre les Scar. Pourquoi ? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, non, les zones de quarantaine, les Lucioles sont considérées comme des terroristes, des fanatiques. On était naïfs. On n'était pas fanatiques. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. Oh, c'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est... Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok ? Ok, d'accord, ça va. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Ou alors... C'est bon. Oh. Ça a dû prendre une éternité de peindre ça. Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen. Après, j'arrête. C'est promis. Promis ? Évite de... regarder en bas. Oh. Descends. Ça va aller. Regarde ça! J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah... C'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Wow! Allez, amène-toi! Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais... Mais Joël est là, quelque part. Je sais.
Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Oh. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Il y a moyen que tu changes encore d'avis? Non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin, s'il a vraiment tué Danny... On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hey, Abby. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment, à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Suffit de suivre le soleil, pas vrai? Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scars dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui vois. Ouais, de ça. Et de tout le reste. T'es un vrai pote. Arrête. C'est trop d'émotion d'un coup pour moi. La voie est libre. Allez. Bonne chance. Si tu le retrouves, ne frappe pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Ouais. Bon, il n'y a qu'à suivre le soleil. Cool.
Eh ben, ça commence bien. Genre guide à la con. Oh, ces tarés sont vraiment à deux pas de chez nous.
quelques millions. Si on veut protéger sa famille, vaut mieux pas rejoindre une secte. Porte des martyrs. Notre aile est morte, mais ça ne vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. Tu veux la paix? Facile, reste sur ton île. Pas le génie de la lampe. Oh, enfin une demande réaliste. T'en demandes trop, mon pote. Ouh, elle veut juste tirer son coup. Isaac. Putain, t'as transformé une folle en martyr.
angles sombres. Rien du tout. Il y a une wolf là aussi vous. Espèce de taré. T'avais idée de ce que t'allais déclencher ? C'est quoi tout ça ? Il fallait que j'atterrisse dans un camp de Scar. C'est mignon. Juste un peu tordu, quoi.
Te voilà. Faut juste que je descende dans la rue. Allez, ça va le faire. On devrait pas partir à la recherche des fugitives, Lucy. Émilie emmène un groupe en forêt à la tombée de la nuit. Elle les trouvera. Putain, dans quoi j'ai atterri. Tout va bien. Je peux te reposer un peu. Non, je n'aime pas être ici. Il n'y a pas d'arbres, pas d'herbe. L'air est malsain. Une fois qu'on sera installé, on brûlera toutes les images. Toutes les machines, et on plantera nos graines et nos arbres, comme à la maison. Avec le temps, la nature reprendra ses droits. Je veux qu'on fouille chaque étage de ces ruines. Quelqu'un nous a échappé. Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Si on veut. Tu sais quoi? Ici, on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants. Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça. Admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes. J'ai repeint 2-3 murs. Alice, c'est ici? En balade avec Mel.
Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais. Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire. Un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Ça a l'air... compliqué. Touche pas à ça. Tu fais des expériences? Pas loin. Je fais de l'agnole de luxe. Si t'es gentil, je t'entendrai. Quelle chance. Oh, c'est agréable. C'est quoi, ça? Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je joue. Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Et d'une. Ouais, je suis fier de toi. Et de deux. Et il t'en reste plein. Oh, pas mal. Hé hey, mon œuvre d'art. Quoi, c'est plus joli comme ça? Hé hey, vraiment, tu me brises le cœur. Imagine si Isaac voyait ça. Encore deux, tu me bats. Mais cool, hein. 30 secondes. Je suis vraiment super fier. C'est pas ta faute, c'est un instrument tellement complexe. T'es vraiment un connard. 10 secondes. Merde, t'as réussi, t'as battu le record! Ah, il me reste du temps, non? 5, 4, 3, 2, 1. J'ai réussi! Ha! Du premier coup! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial! Elle est super forte! Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non, elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok. Calme-toi. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif? Tu n'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, goûte-moi ça. Alors? La vue est chouette. Oh, t'exagères.
Rabat-joie. Tu veux que je mente? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi? La chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr. Libère, allez. Ainsi ils pourront connaître. Non. Yara. Où se trouve l'autre infidèle?
Brisez-lui les ailes. Faites gaffe. Hey,
sont morts depuis peu. Un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Allez, lève. Occupe-toi. Pousse-toi. Allez-y. Je suis là. Toi, tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. À vous. Oui. Ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça. C'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? Première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal.
On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. Maintenant, je suis quasiment sûre que c'est par là. Quasiment sûre? T'es pas obligé de me suivre. Tu veux que vous abandonne tous les deux ici? Ah si. Sortons d'ici, c'est tout. Passez et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention, Ombra.
Accroche-toi bien, moi. Ok. Ah, mon bras. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. Essaie les portes. Et vérifie qu'il n'y a pas d'infectés. Ça s'ouvre pas. Essaie les autres. Alors ? Non ! La porte. Enlever ça. Il faut juste le remettre en place. Ok. Tu sais comment t'y prendre? Découpe ça en bandes. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok? Merci. T'es prête? Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller.
Ah!
C'est fini? Ouais, c'est bon, c'est fini. Je vais réessayer. T'es là, Owen. Owen! Owen! Owen, réponds! Il doit être quelque part à l'arrière. Obligée de faire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse.
sens, ça. Hé, Owen! Owen! Putain de merde. Évidemment. Owen? Putain, ça c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et... Ce mec-là, putain... Je ne pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre, qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Au début, je ne savais pas lequel de nous deux était touché. T'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si
si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara. Je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi ? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Les massacrer. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. De les avoir vus. C'était l'infidèle. Au moins, je sais qu'il est vivant. Thank you.
vois quelque chose? Non, c'était rien. Petit, vous êtes encore là? Faites pas un pas de plus! C'est moi! Désolée. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, baisse ton arc, c'est bon. Non, baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça
Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les Scars utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby? Abby? Hé! Hey. Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolée. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Fais pas de conneries, ok? Tes amis sont des wolves aussi? Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel... comment il s'appelle, lui? Owen. Mel... Owen... Abby... Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? La piste aller là-bas? Le chemin là, conduit vers le centre-ville. La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Elles permettent vraiment de franchir les rapides? Ouais. En quelques heures seulement. Ok. Le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Ben... faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowen, sûrement. Je ne tombe pas à l'eau. Tu seras emporté par les rapides. Bien sûr. Tu sais nager, au moins. Ouais. Je t'aimerais pas plus tard. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scars? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer? Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous.
Fais gaffe au bout de verre. Ça va. T'es sûr ? Je te dis que ça va. Bon, on approche de ton immeuble. C'est vachement beau. Le courant a l'air vraiment fort. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfuis ? 2 jours. Et vous comptiez aller où ? Je sais pas. On voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous ? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai des amis. Pourquoi tu l'as fait, alors ? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk ? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Oh. J'imagine, ouais. Thank you.
bien? Ouais. Tu es trop bien, ça. Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais. Cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Putain. Il y a un cousin qui a des vertiges. Tant mieux pour lui.
Allez, viens. On va encore monter longtemps. Tout va bien. Ça veut dire oui. Oui. Par là. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire on. Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Thank you.